Bonjour, bonjour. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de mon travail en accéléré, comme ce que je faisais pendant un temps et que j'avais arrêté. Donc là, je reprends en essayant d'expliquer un petit peu mon travail, de parler un peu par-dessus mes vidéos. Alors je vais en effet essayer d'expliquer un peu mon travail, mais aussi essayer d'aborder certains thèmes, certaines questions, tout ça. Donc aussi une façon de vous dire que si vous avez des questions, des thèmes, des choses que vous voulez que j'aborde dans mes vidéos, faut pas hésiter. Vous me les dites dans les commentaires de cette vidéo ou sur Facebook ou comme vous voulez, et puis j'essaierai d'aborder le thème dans les vidéos suivantes. Donc je vais tout de suite vous parler de ce strip parce qu'en fait au final la vidéo est assez courte et donc voilà. Du coup, alors pour ce strip en fait ça fait suite à une série de strips sur un thème qui m'avait été donné sur Facebook qui était un thème par rapport au polar. Donc c'est bizarre de commencer par cette vidéo mais voilà j'ai repris les vidéos accélérées avec ce strip du coup je me permets de démarrer avec celui-là. Je vous mettrai en lien les autres strips pour que si vous voulez lire l'histoire, essayer de comprendre un peu le cheminement, tout ça, vous puissiez le faire. Voilà, donc en fait dans ce strip, donc concrètement, c'est une scène de combat, hein, je voulais essayer d'aborder ça parce que j'essaye dans les strips d'aborder des choses avec lesquelles je suis pas du tout à l'aise. Au final, il y a quand même beaucoup de choses parce que je suis pas du tout un habitué de la BD, je suis plus illustrateur à la base. Donc je fais vraiment de l'illustration, pleine page et tout ça, et au final, avec pas beaucoup de dynamisme. Donc du coup, c'était un vrai défi pour ça. Et donc c'est, oh, je vais même pas expliquer, mais c'est ça en fait. Hein. Le but, c'est que depuis le début de l'année 2016, en fait, je fais un strip par jour. Et de ce format-là, en fait, c'est suite à la découpe de feuilles et tout ça, il me restait ce format-là. Et je me suis dit, on va pas le jeter, on va essayer de faire quelque chose avec. Et puis l'idée des strips est venue. Donc voilà, donc du coup, pour ce strip... Une scène de combat que j'avais essayé de penser en scrolling horizontal parce que du coup la bande faisait que ça fonctionnait assez bien. Au final, je suis pas super super satisfait parce qu'on comprend un peu l'action, mais ça manque clairement de dynamisme, c'est assez plat. Donc voilà, j'avais pensé à un espèce de mouvement circulaire du personnage, mais du coup le strip était pas du tout, enfin le format était pas du tout adapté à ça. Donc du coup je commence à un petit peu me poser la question de peut-être changer de format, essayer de faire vraiment de la pleine page parce que j'en suis à mon 150e maintenant et je dis pas que j'ai vraiment essoré le truc, hein, il y a certainement énormément de choses à faire avec ce format-là mais là j'aimerais en fait faire un petit peu autre chose. Donc je verrai, je pense que dans pas longtemps je commencerai à faire autre chose que juste du strip et peut-être plus du quotidien parce qu'au final ça me fait à chaque fois une heure et demie par jour, ça me prend quand même un petit peu de temps et du coup j'aimerais prendre encore plus de temps du coup sur mes BD, mais pas voilà, pas être speed à faire un truc au quotidien. Donc voilà, on arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo, donc c'est vraiment c'est un test, hein, c'est juste pour voir les choses que je peux aborder en 3-4 minutes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ça, si vous avez des thèmes que je voulais apporter, que vous voulez que j'aborde, tout ça. Et voilà, partagez, commentez la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concrètement. Voilà, il me reste encore quelques secondes, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que du coup, oui, toutes les autres vidéos que j'ai fait sur Facebook, les vidéos en accéléré, je vais essayer de les reprendre et de faire la même chose avec ça, en mettant du son par-dessus. Donc voilà, à très bientôt!